Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pardon, on se retrouve pour jouer à Monaco Grand Prix Simulation. Monaco Grand Prix Racing Simulation 2. Pas Grand Prix tout court Simulation 2, il y a bien le Racing devant. Sur PlayStation cette fois-ci, on avait fait une vidéo il y a longtemps sur Monaco Grand Prix Simulation, mais sur Dreamcast. Et là, on va essayer la son PlayStation. Alors, attention, Monaco a utilisé une fonction de sauvegarde automatique, blablabla. Donc, ce qu'on va faire. On a un mode un joueur, un mode plusieurs joueurs, je suis tout seul donc je vais jouer avec moi-même. Modifier les écuries, on va voir pour modifier les écuries. Sachant que c'est un jeu qui n'utilise pas des licences réelles de Formule 1. Donc, on peut modifier si on veut le nom des écuries, le nom des pilotes. Pour donner un semblant de vérité à ce genre de jeu qui n'a pas de licence. On va faire charger. En prenant les mains de carte 2. Dites-moi qu'il y a une sauvegarde. Voilà, parfait. Et normalement maintenant, voilà, j'ai modifié le nom des écuries. Du coup, on devrait avoir des noms d'écuries qui correspondent au F1 que c'est censé représenter. Sachant qu'il y a des couleurs de F1 qui ressemblent à rien. Donc vous allez voir, j'ai fait un petit peu à tâtons. Il y a des écuries qui ne ressemblent vraiment pas à ça, mais c'est le mieux que j'ai trouvé. Alors, on a un mode arcade, un mode course simple, un mode championnat, un mode contre-la-montre. On va faire un petit contre-la-montre pour voir un peu comment ça se passe au niveau du maniement. Je me souviens avoir plutôt galéré sur la Sandrinka, ce jeu était plutôt difficile, ma foi. Donc on va essayer version PlayStation, voir si ce sera différent ou pas du tout. Les chargements sont un petit peu longs, c'est vraiment dommage. Mais bon voilà. Alors là on a le choix du pilote et de l'écurie. Alors on va prendre pilote écurie, vous allez voir. On a le choix de l'écurie, donc j'ai pris Minardi, Jordan, alors ça aurait pu être une arrose, hein, d'accord. Team 1, je ne sais pas. Alors pour moi ça ressemble à un mélange devant à Minardi de 97 et l'arrière d'une Williams de 2000, donc bon, un peu impossible de trouver à quoi ça ressemble. On a celle-là que je vais appeler Stromega, mais bon, on se répète Astromega parce qu'il me semble que... Je sais pas si c'est Astromega ou Supernova qui avait 3000 un peu cette couleur. Avec Diego Veniz, hein, ou plutôt Pedro Diniz. On a l'équipe Forti, qui évidemment a été renommée parce que je trouvais que le jaune et le vert ça ressemblait à ça. On a l'écurie Prost, alors les gens, j'ai longtemps hésité avec une autre écurie qui aurait pu avoir un autre nom. On a l'écurie verte, je me suis dit bon bah verte ça va forcément être Jaguar. Et avec Carole BC hein, chez Prost évidemment. On a aussi quoi, la team 1 j'ai pas trouvé, donc Jordan je l'ai dit, Minardi parce que je crois que ça fait Minardi de l'année 2000. On a l'écurie McLaren deux fois, vous allez voir, là on a la version rouge et blanche, la version Marlboro. On a la Real. Franchement, je pense qu'il pouvait ressembler plus qu'à une Real en fait avec cette couleur. On a une McLaren en version grise, mais finalement je l'ai renommé en Baronda de 2000 avec Michael Unminger, hein, le fameux champion de Formule 1. Et l'écurie Williams de Jim Vantive ou de A. Hans Fasen que tout le monde connaît. Allez, c'est parti, donc on va prendre Ballard Schumacher. Lol. On va prendre un circuit. Alors les circuits par contre, là ils se sont fait plaisir, on a les vrais circuits. Donc on a Australie, Brésil, Argentine, et comme par hasard, c'est dans l'ordre de la saison 98. Si je me trompe pas, parce qu'il y a Paris reste, donc c'est 98. Et on va prendre pour commencer, évidemment, Monaco, puisqu'on est sur le jeu Monaco Grand Prix Simulation. Palmarès. Allez, on peut voir les meilleurs temps. On a les options. Alors, on va voir la voiture et du contrôle. Donc la voiture. On va aller 100 km par heure, boîte auto. Les contrôles. Accélérer CX, freiner carré, changer de vue. Bon, là, il n'y a pas trop de différence avec les jeux comme Formula One. Pas de différence. On a un mode free run, un mode ghost. Charger le ghost en mode free run. Et on va faire OK. On va pouvoir choisir donc les suspensions. Dur, tendre. Alors, attendez. Là on est en suspension, on peut changer l'auto de carrosserie, on peut voir la boîte de vitesse, la réparation du freinage. Ça reste, ça boude pas avoir de licence, faut savoir que c'est un jeu qui reste assez complet dans les réglages, dans les maniements, dans... Voilà, c'est quand même une petite partie de simulation quand même, pour l'époque toujours. On va prendre angle de braquage, on va le mettre à 21, on est à Monaco. Quantité d'essence, on va mettre 5 litres, on peut mettre un peu plus, mais bon, je pense que ça suffira. Réparation de freinage, ok. La boîte de vitesse par contre... on va plutôt augmenter l'accélération, voilà, hop. Voilà, le test maximum perd un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment la différence, quoi. Vous voyez? C'est quand même pas mal, hein. Alors, si je vois une bonne accélération, je la mets au minimum. Alors, regardez. Comment avoir une accélération minimum avec une vitesse maximum? Bah, c'est facile. Vous mettez la sixième directement.
Voilà, comme ça. Là, je vais baisser un petit peu ça pour que ce soit logique, voilà. Et on va faire hauteur de carrosserie moyen. Par contre, j'ai pas vu les ailerons. Ah, c'est ça. Mais on est au maximum à Monaco, c'est bon. Même s'il faut savoir qu'à Monaco, avoir des gros ailerons n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait, parce qu'il y a peu d'endroits où... Enfin, il y en a, hein, mais il y a beaucoup de zones où, en fait, les clôtures sont tellement lentes que l'effet aéro est beaucoup plus discutable que sur les circuits où les vitesses de passage en virage sont plus élevées. Je vous laisse écouter le bruit du jeu. Écoutez le bruit de la voiture et dites-moi à quel jeu ça vous fait penser. Alors, vous avez trouvé? Moi, je vais vous dire, ça me fait penser à Grand Prix 2, Grand Prix 3, Grand Prix 4. Mais plutôt à Grand Prix 2, Grand Prix 3, c'est exactement le même bruit. Il manquerait plus que le bruit de touchette et le bruit de dérapage et de changement de vitesse soient le même, et on a le même jeu. Alors, évidemment, les graphiques sont pas du tout pareils, hein, on est quand même sur Player. Alors, on va faire un petit tour de Monaco, voilà, on va voir si le jeu a bien reproduit le tracé. Pour le moment, c'est plutôt propre, on s'y croirait presque. Joli effet d'ailleurs de projection. Ah, par contre, ouais. Alors là c'est dégueulasse hein, sur le côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est assez ignoble, il y a très peu de détails. On peut changer la vue, donc je peux mettre une vue arrière avec R2. Vous avez vu, c'est quand même assez fluide, hein, mine de rien. Le jeu est quand même super rapide, on a une sensation de vitesse qui est quand même bien rendue. Alors, par contre, j'ai tendance à me prendre les murs à chaque fois. Et on a la saison 98 qui était avant à l'époque, saison 96-97 sur la première version du jeu, là on a la saison 98. Et je le vois à quoi? Bah tout simplement parce que les pneus sont rainurés, ce qui n'était pas le cas sur la première version. Alors il y a quelques sponsors officiels, comme par exemple Panetti, Marelli, mais ça reste assez pauvre, après c'est des sponsors plus ou moins invités. On a Bic aussi, pourquoi pas. C'est un jeu un peu jetable j'ai envie de dire, donc comme les rasoirs. Non, je suis mauvaise langue parce que c'est un jeu qui est quand même ma foi plutôt bien réussi, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal à prendre des virages. Je peux changer la vue, vous allez voir. Je vais passer en mode, voilà, avec R2. Et je peux être en vue embarquée. Regardez, voilà, on s'y croirait que l'effet de vitesse, incroyable. Et je sais pas, vous allez voir un petit peu ce qui est drôle, c'est que je vais changer de vue. On va monter normalement, puisqu'on monte en caméra. Vous allez voir ce que ça va faire. Attendez, je vais monter un peu. On a une vue embarquée encore comme ça. On a une vue extérieure. Regardez bien la hauteur du décor. Vous voyez la hauteur là où on est? Bon. Ben regardez maintenant. On est plus proche, mais en fait, quand vous regardez bien, on est quand même un peu trop en hauteur hein, par rapport à la voiture. Normalement, on devrait être beaucoup plus bas avec un angle de vision un peu plus vers le haut. Mais le jeu, bon, pour rendre le jeu peut-être plus facile, a mis un angle de vue vraiment abaissé vers le bas. Et du coup, on voit beaucoup mieux alors que normalement, on a pas une visée aussi bonne. Alors par contre, je m'arrête vraiment sur l'effet de vitesse, vous en rendez compte, c'est quand même plutôt probant. On a vraiment l'impression d'aller vite, et on va vite. Voilà, par contre, je suis vraiment à l'arrêt. Voilà, j'ai fait 2 secondes de mieux. J'ai du mal par contre à prendre la chicane à fond, et ça tombe pas du tout. J'aurais pas dû mettre un angle de braquage beaucoup plus élevé. On va rechanger un peu la vue. Voilà, cette vue est pas mal aussi. Alors ce qui est dommage, c'est que voilà, on a une vue embarquée. Mais cette vue, je la trouve un petit peu trop en avant. On aurait pu avoir une vue un petit peu entre les deux, avec une vue capot par le dessus. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les 3D sont toutes les mêmes. Toutes les 3D entre les Formule 1 sont pareilles. Alors le skin qui change, ben, ça s'arrête là. Et on a un spotter. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors au niveau du HUD, on est très très simpliste. Le temps autour en temps réel. Le meilleur tour qu'on fait à gauche. La boîte de vitesse en plancher. La vitesse... chronométrique et bah, vert quand on change de vitesse quand le régime moteur change. On a quelques effets lens flare à ma foi sympathique. On va faire start, on va faire quitter, on va commencer à faire une petite course directement parce que là vous avez compris un petit peu. Le maniement est propre, voilà, un petit peu bizarre au niveau des points de freinage, un petit peu bizarre aussi au niveau de la façon de tourner quand on est quand on est lancé, la voiture réagit bien, mais quand on est un petit peu à l'arrêt, la voiture a tendance à tourner d'un coup. C'est un peu bizarre. De toute façon, ils diront que c'est réaliste, ce qui est peut-être vrai, mais tout ça quand même... On va revenir en arrière, et on va faire un mode course.
Alors, on a donc le championnat course simple, course arcade. On va faire une course simple, histoire de, voilà, de choisir un peu notre circuit, notre voiture, et avancer un petit peu. Donc, on va prendre peut-être une autre voiture. On va prendre quoi? On va prendre quoi? On va prendre... alors, Darimil, non, c'est bon. On va prendre... Ouais, c'est la même 3D à chaque fois. On va prendre la Forti d'Afflelou avec Tim Tagusen, hein, le fameux. Père de... Comment il s'appelle? Père de Tagusen... J'ai oublié le nom de Magnussen, incroyable, bon c'est pas grave, on va passer à la suite. Circuit, donc on va changer, on va prendre par exemple la circuit... L'Allemagne, ça va être un petit peu court... La Belgique, tiens, pour voir ce qu'ils ont bien fait. On va voir les options. Options de course. Météo ensoleillé, niveau amateur, vous voyez, on a le mode expert, alors j'ai envie de me mettre en mode expert, histoire de voir un peu ce que ça donne. On a la météo pluvieuse, position sur la grille, on va partir 22. Concurrent, ben on peut baisser dans nos concurrents, si on veut avoir seulement que 10. Je vois pas trop l'intérêt sincèrement, mais on va quand même garder comme ça. Pas de pénalité, on va faire OK. Et on a un petit circuit en vue de... Ben en vue de dessus, qui tourne sur un fond un peu 3D. Bon, il manque de détails quand même, le tracé, vous voyez, c'est pas très lisible, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, ce qui manque, qui est bizarre... Ah non mais d'accord, ça représente, parce qu'en fait là, ça représente le circuit de Catalogne. Ça représente pas le circuit de Spa-Francorchamps, je comprenais pas trop. Ouais, là on a vraiment voilà, le circuit, le vrai circuit en bas que nous allons emprunter. Donc c'est parti. On va laisser par défaut, j'ai envie de laisser par défaut, on va voir si le jeu... J'aime bien ce paramètre là, on va mettre les pneus tendres, on les garde, hein, voilà. Et on va faire OK. Et ce qu'on va faire aussi un peu plus tard, c'est tester la pluie. On verra ce que ça donne. Allez, un petit chargement en cours. Que là, ce soit un peu plus dur, je comprends, parce qu'on n'est pas dans les menus. Donc, il n'y a pas de soucis. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est quasiment toutes les voitures, les écuries qui sont dans l'ordre. Et c'est parti! Donc bienvenue à Spa-Francorchamps, avec normalement un énorme virage, bien marqué d'ailleurs par un panneau gigantesque. Et la réaccélération. Dans la descente et la remontée. Alors j'ai ralenti un petit peu. Oh la vache! Je peux donner un peu de vitesse. On va voir la vue arrière. Regardez, j'ai deux Jaguars qui me suivent. Alors, l'effet de vitesse est monstrueux. J'ai l'impression que le jeu est en accéléré limite. On va faire un point de freinage un peu plus serré et ça passe. Oh là là, magnifique. On est entre Maccabi et Tim Tagusen. On s'est fait repasser par Maccabi. On va réaccélérer, il va essayer de passer à l'intérieur. Mais il nous a pas touché. Alors le son est quand même bien dégueulasse. Ça, je préfère le dire. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas de musique. Normalement, au niveau du son, il doit y avoir un SFX. Ouais, voix, ok. Non, il n'y a pas de son. Mais étonnant quand même. Je sais pas si ça vient de l'émulateur, par contre, si ça vient du jeu. Il me semblait quand même qu'il y aurait une petite musique. Alors vous pouvez voir qu'on voit la voiture au fond. Mais c'est un petit carré qui représente la voiture, mais c'est assez dégueu. Voilà, là elle va apparaître maintenant. On va voir si on peut rattraper. Il y aura que deux tours à faire, hein, parce que le Grand Prix de Spa est un circuit assez long. Enfin, le circuit de Spa est un circuit assez long. On va voir si on peut rattraper Becky Toy. Et on s'est fait déjà redoubler. Alors on est en expert, donc évidemment... Évidemment, ça va être beaucoup plus difficile. J'ai mon coéquipier, hein, d'ailleurs, en dernière place avec moi. On va voir un peu l'effet de vitesse. Ouh, attention, avec le... Oh, et c'est l'accident! Et vous avez vu, je me suis fait arrêter directement dans l'herbe, la voiture n'a pas continué. On va aller à fond, là. Et on va essayer de repasser. L'aspiration n'a pas marché, en revanche. Oh, attention, on va freiner.
Alors, je vous ai pas parlé aussi à droite, mais on a la jauge de dégâts sur la voiture, évidemment, l'usure, l'essence et l'état général. Ah non, pas en tête à queue, on va peut-être pouvoir passer au milieu, et non, et malheureusement. On va se retrouver dans le mur. Alors, je ne sais plus s'il y a des dégâts dans le jeu, il me semble que oui. Non, par contre, pour remonter, ça va être compliqué. Alors, ce jeu n'a pas eu une note très bonne, hein. Je préfère le dire, je crois qu'il y a à peu près 10 ou 11 sur 20. Mais je peux déjà comprendre pourquoi, hein. Vous vous rendez compte que le jeu n'est pas mauvais dans son maniement, pas mauvais dans ses graphismes, mais il y a quelques incohérences au niveau du... Bah, au niveau du gameplay, en fait. Et par exemple, là, bon, on sait pas trop où on est, quoi. Bon, effectivement, on est 22e sur 22, c'est marqué, mais je sais pas trop où sont les autres joueurs, si je les rattrape, si je vais en arrière. Et voilà, y a des fois, il y a le fil de physique qui est pas réaliste. Alors, je vais changer de... Comment on fait? Marche arrière, c'est avec rond. On va réaccélérer. Alors, ce qui est pas mal fait, c'est qu'on a les pneus qui... Pas qui s'usent, mais qui se... salissent. Quelques effets aussi d'étincelles. Après, j'ai mis mode expert, donc effectivement, j'ai peut-être mis le mode le plus difficile dès le début. Et quand on débute, c'est pas trop ça. Alors, je me doute qu'on puisse les rattraper, hein. Vraiment, à moins de couper complètement la dernière chicane, peut-être. On a même pas réussi à rattraper les autos devant nous, alors vous vous doutez bien. On est à 27 secondes, d'ailleurs, du 21e. Alors, en vrai, je sais pas trop à qui s'adressait ce genre de jeu, à l'époque, parce que... Autant maintenant qu'on sort un jeu sans licence, parce qu'il y a le monopole de Codemaster, ou ce genre de choses, ça se défend. Absolu, voilà, il n'y a pas de licence, on peut vendre le jeu avec la licence FIA, donc on fait la licence avec des monoplaces, on le vend en prenant voilà, des circuits qui ont accepté la licence, et on part en tête à queue, et on vend le jeu comme ça. Mais à l'époque, c'est pas comme si il y avait un éditeur de jeu et tous les autres derrière n'avaient pas de licence. À l'époque, au moment où le jeu est sorti, c'est-à-dire en 99, il y avait peut-être 10 constructeurs, enfin pas 10 jeux de VF1 en même temps, mais quoi que si, même pas en fait, c'est peut-être 10 jeux en même temps, c'est vraiment le cas. On avait les F1 World Championship, les F1 Simulation, on avait les Formula One, on avait la saison des Grands Prix, on avait sur mobile, il y en a bien de la musique, on n'a pas perdu. Donc, qui allait acheter ce genre de jeu? Sincèrement, je vois pas trop. Alors, en mode replay, on va quand même regarder ça. Voir la course, bon, évidemment, voilà, starting grid. Alors j'imagine qu'en fait le replay c'est pas le mode replay en tant que tel, si ça se trouve c'est juste on refait la course. Alors je ne peux pas passer, c'est un petit peu dommage, vous voyez, j'essaie d'aller vite, hein, de passer directement en tapotant un peu partout les joueurs, et en fait si c'est bien le replay, je suis trompé. Alors après au niveau de la 3D des voitures, je vous ai dit c'est toutes les mêmes, c'est un petit peu dommage. C'est quand même pas très joli non plus. En 99, si vous comparez ben justement avec Formule 99 qu'on a testé il y a peu, au niveau de la 3D, c'est vraiment très 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 pauvre. On a une 3D de jeu qui a 2 ans ou 3 ans de retard. C'est un peu dommage. C'est dommage d'ailleurs en soi parce que le décor et tout le circuit sont à peu près bien faits, hein. Je veux dire, c'est pas trop dégueu. On a aussi l'effet d'ombrage qui est pas très bien réussi, vous en rendez compte au fur et à mesure. Des fois, on a l'ombre qui est vraiment éloignée de la voiture, ce qui fait qu'on a l'impression que la voiture elle est à 1 mètre de hauteur. Enfin, c'est un petit peu dommage. On a vu le beau départ, le beau dépassement, c'est le seul truc bien de ma course. On va faire start et on va faire retour. Et on va voir un petit peu le mode championnat. Je voudrais montrer aussi une tour sur l'appli avant de commencer le championnat. Et après, on fera pas le championnat entier, mais on commencera un petit peu. Voir ce que ça donne et ce qu'il y a de différent. Alors, on va faire... bon, l'équipe, on s'en fiche un peu, finalement, parce que c'est toutes les mêmes voitures. On va prendre... sous l'appli, quitte à prendre un truc sous l'appli, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre... pour prendre Angleterre, par exemple. On va mettre les options de course, voilà. Alors, on va pas se mettre en expert, cette fois-ci. Pardon, on va se mettre en... Bon, on va se mettre en pro. À mettre la pluie, 5%, pénalité non, on va faire OK. On va faire
faire OK à nouveau et on va faire donc OK, c'est parti. Je ne fais pas de réglage, on verra ce que ça donne. Ça donne ça. England, donc le circuit de Silverstone, sous la pluie. Je ne connais pas trop d'illogisme. Alors ce qui est dommage aussi, c'est bon, effectivement, ils ont mis des couleurs qui n'ont rien à voir, bon, vraiment qu'il n'y a pas de licence, mais ils auraient pu mettre les mêmes couleurs, tu mets pas les mêmes mêmes sponsors, pas le nom des pilotes. Grand Prix le fait très bien par exemple quand il n'est pas licence avec Jacques Villeneuve. C'était pas gênant, donc dans l'absolu ils auraient pu faire ça. Alors est-ce que j'ai mis des pneus pluie par contre? C'est vrai que je suis parti sur une piste mouillée, mais j'ai pas forcément mis des pneus qui correspondent. Alors déjà, petit truc sympathique, je trouve que l'effet de projection d'eau, en tout cas, est assez original. Ma foi, plutôt bien réussi. En revanche, est-ce que la maniabilité va changer sous la pluie? Ma foi, j'ai pas l'impression. Et là, puis il y a une erreur de GPS déjà sur le circuit, c'est-à-dire que vraiment le virage juste avant là est beaucoup plus à droite. Là, il y avait quasiment aucun virage. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir la différence entre le mode expert et le mode pro. Est-ce qu'il va y vraiment... Oh, le freinage totalement loupé, mais c'est pas grave, c'est passé quand même. Et nous voici donc en 12e position. Alors l'eau est super bien faite, par contre je ne sens aucune différence dans la conduite. Donc ça c'est encore... ça va être un défaut, hein. Vous en doutez. Oh là, le freinage, c'est pas fait... Oh, on est sur le vibreur, attention. Le vibreur qui nous emmène un petit peu... sur les extérieurs, il nous fait glisser. Ce qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi si l'IA fait des erreurs. Ça pourrait être intéressant, vous savez bien que j'adore ça. Quand l'IA est un petit peu... nous surprend. Et là, si c'est pas le cas, bon, ça va être un petit peu dommage. Alors on est 9ème. Disons que sur la pluie, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus rapide que l'IA. Attention, on a touché la Real. Ou la Team 2, hein, comme vous voulez. Et la Minardi. Alors il y a un spotter, mais là j'ai l'impression que le spotter ne dit pas grand chose. C'est un petit peu dommage. On pourrait commenter la course. Alors, c'est vrai que pour un spotter, commenter une course de voiture fictive et sans son vrai nom, etc., ça serait un petit peu bizarre. Oula. Ouais, normalement c'est un peu plus à droite et après on plonge à une droite. Mais bon, là ils ont vraiment pas fait de virage. On va dépasser. Hop là. Alors, ils font pas comme dans F1 97, hein, c'est-à-dire qu'ils pilent pas quand on est devant eux. Maintenant, à nous de voir si on peut revenir sur les 6 premiers, qui sont normalement les pilotes qui marquent des points. Si dans un règlement type 98 comme à l'époque, ça va être le cas. Et jusqu'à l'époque, il fallait finir dans les 6 premiers pour marquer des points et pas les 10 actuellement. Hein. Ça avait changé à partir de 2003 jusqu'à 2010, il me semble. C'était seulement les 8 premiers qui marquaient des points. Et on est passé à 10 voitures. Et c'est quand on est passé justement aux 10 voitures marquant des points et qu'on voit que par exemple Caterham n'arrivait pas à marquer de points, etc. On se dit que les écuries qui avaient marqué, les petites écuries à l'époque qui arrivaient quand même à finir 7e ou 8e très souvent, bah, elles avaient du mérite mine de rien. Bon, effectivement, il y avait plus de problèmes de fiabilité. Mais quand même quoi. Même une Forti qui a fini 7ème en Australie, et bah, elle aurait marqué des points à notre époque quoi. Donc c'est quand même encourageant. Ah, le spotter qui dit quand même qu'il y a un dernier tour. Je peux là, merci. On va finir cette petite course là et après on fait le mode championnat. En tout cas sur la pluie je trouve ça beaucoup plus facile. Ou c'est juste le mode pro peut-être. Et j'ai fait exactement la même erreur. Hein. La gosse Beckett Chapelle, là, on l'a pas bien passé deux fois d'affilée. On va dépasser Ted Wine ou Eddie Irvine. Après, ouais, c'est très très sommaire.
Le fait qu'il n'y ait pas de musique, alors vous allez me dire, de la musique dans les jeux de F1, normalement c'est pas logique. En gros, c'est pas censé avoir de musique, donc vous aurez tout à fait d'accord de dire ça. Mais là, je trouve que le jeu est monotone d'un point. Oh, oh là, il se passe rien. Le fait qu'il n'y ait pas de commentateur qui est que là, je trouve que ça enlève un côté épique à la course. Et pourtant, c'est dommage, hein, parce que vous, quand même, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Même si, bon, là, je vous dis, le jeu n'est pas exempt de défauts. Alors, il a quand même essayé de passer à l'intérieur. Ouais, ça passe, nickel. On va prendre un podium, ça pourrait être cool. Voilà, un petit podium. Si on pouvait avoir une petite animation de podium, ou je sais pas, peut-être, après à la fin de la course. Ça pourrait être sympa. Alors, on change un peu la vue. On va se mettre en plus proche. Et on va franchir la ligne d'arrivée. Et donc, c'est Michael Coulthard, c'est M. Collier, pardon, excusez-moi, j'ai failli dire quelque chose de copyrighté, qui remporte la course devant Nicolas Hüminger. Ah, j'aurais pas vu, mais Johan Thésier terminait 11e, et que dont Hubert 12e, Diego Vinyes 13e. Ça me fait rigoler, et donc ils ont choisi, parce que c'est totalement bidon. Mais bon, ça reste drôle. Allez, on va faire une petite, un petit championnat, et on se laissera là-dessus. On verra si c'est quelques aspects différents en mode championnat, ou si c'est juste des courses à la suite, comme tous les jeux de F1 qui se respectent. On revient en arrière. Et on va faire un championnat. Alors, on va changer d'écurie quand même, pour une fois. On va prendre Minardi. On va prendre... Oui, ils avaient le choix de faire plein de couleurs différentes et finalement ils sont restés ultra classiques. Ben, je vais prendre une McLaren avec Tonza Citan ou Mike Kovart, bon, comme vous voulez. On va faire OK. On va voir les options quand même pour le mode championnat. Alors, zone de course. Niveau amateur, non, on va mettre pro, c'est plus intéressant. Météo aléatoire, 10%. Pénalité, non. Pas beaucoup d'options aussi, c'est dommage. Vitesse auto, assistance de frein, non, dégâts... Ah, je vais mettre dégâts moyens quand même. Je vais voir les dégâts. On va faire OK. Et on va démarrer un nouveau championnat, donc en Australie, ce qui est logique. La session d'entraînement de qualification. On va faire une qualification. On va laisser ça par défaut. Et on va voir si on fait un temps intéressant pour partir convenablement sur la grille en mode pro, qui est le mode moyen. Allez, c'est parti, on est à Melbourne. Passons de voir si le circuit est bien réalisé aussi. Pour l'instant, les circuits, même à part quelques défauts hein, légers, ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt bien en fait. J'ai pas grand chose à dire dessus. On va dire qu'au moins, il se rattrape sur des modèles 3D, il se rattrape sur les circuits. Donc c'est pas mal. Donc c'est pas un jeu qui sera à jeter. On a testé le jeu de F1 beaucoup plus mauvais que ça. Mais voilà, il y aura quand même un petit côté dommage, quoi. Ça sera pas imperfect, loin de là. Déjà, je sais que mon tour va être mauvais, hein. J'ai raté quasiment tous les points de corde. Et la voiture qui a tendance à sous-virer à mort. Et je freine à fond, et regardez, je m'en retrouve à chaque fois. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de différence de performance entre les voitures. Ça serait totalement... bête parce que c'est pas comme c'est pas des licences, on peut pas deviner que c'est une Ferrari, donc par exemple la Ferrari c'est plus rapide qu'une Tyrell ou une Prost, etc. Donc ça aura pas de sens. Et puis surtout, ça serait pas marqué, donc on peut pas le deviner non plus via le jeu. Et d'ailleurs, ce qui est un truc qui me chagrine un peu, c'est regarder le placement des sponsors sur la voiture. Jusque là on est pas mal, mais je trouve qu'à l'arrière on a l'impression que ça a été hyper mal passé quoi. On n'a rien de pas à lire, on a l'impression que c'est écrit à l'envers en plus. C'est dommage, je crois qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts sur les skins. En plus ils avaient toute la liberté hein, vu qu'ils n'avaient pas de. Vu qu'ils n'avaient pas de licence par rapport à ça. Bon, on va faire un petit tour. On va faire un petit dernier tour histoire de voir si on s'améliore, parce que je pense qu'une 39 c'est quand même ultra mauvais. Alors, on va essayer de mieux prendre les virages.
Et encore une fois, je me suis totalement loupé au freinage. Du coup, c'est énormément de temps perdu. Bon, on a quand même amélioré notre temps, mais ça va pas être trop ça non plus. Là, on est pas mal aussi. Je pense qu'on peut faire mieux. Faire pire, ça sera quand même difficile. Ouais, le panneau 100 mètres, c'est pas assez. Faut freiner bien avant. Alors, il dit que je suis premier sur 22. Mais je suis seul à avoir fait un tour, j'imagine. Donc, c'est pas vraiment un bon tour. On a amélioré de 2 secondes. Ah, on va rentrer au stand aussi pour voir ce qui se passe quand on rentre au stand. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'on peut, par exemple, s'arrêter au stand, rajouter de l'essence? Je pense que oui, puisqu'il y a une gestion de l'essence dans le jeu. Donc, Oh, la glissade! La glissade! Bah, du coup, on a perdu les 2 secondes. Et j'ai tapé un petit peu. Mais du coup, on va en profiter pour rentrer au stand. Hein. Tant pis pour le temps autour. Alors, c'est moi qui gère tout. Hein. Pour l'instant, je suis encore dans les stands. Ah voilà, pit hand. Je l'ai dit trop vite. Alors, on est en vitesse limitée. On va rentrer dans nos stades. Alors, position garage, go. Bon, effectivement, il y a quoi qui fait un temps. Je peux commencer, finir. On peut accélérer le temps. Ça, c'est bien. Vraiment, c'est cool parce qu'il y a des jeux, je me souviens, je crois que c'est F1 97. On pouvait pas avancer le temps. Et du coup, bah, on devait attendre une heure que la séance se finisse. Enfin, c'était complètement bête, quoi. Allez, on va faire quitter. Et du coup, on n'a pas fait le meilleur temps, ça je m'en doutais complètement. Alors, juste voir ce que ça aurait donné avec 2 secondes de mieux. Parce qu'on va partir dernier, hein, tous les coups. Vanis, D'Angelo, Carlo Urbese et nous, ouais, 39 quoi. 39, on va faire la course. On aurait peut-être pu faire 35, 36, mais on serait quand même parti dernier. Et c'est parti, aucune intensité, mais on va quand même accélérer. Et la course s'est lancée, première course de la saison à Melbourne. Ah ouais, il démarre quand même assez vite, hein, c'est assez peu empaqué, et dès le début de la course, vous voyez, il y a toujours toutes les voitures qui ont franchi le point virage. Et nous, ben, on est bon dernier. Ça commence super mal. On a voulu jouer au con. Alors il y a la frame rate qui quand même évolue assez rapidement. On a des phrases super fluides, des fois pas du tout. Bon, je pense qu'on peut quand même tenter de remonter. Je me suis loupé là, mais ça devrait aller. Je coupe comme un mauvais joueur, mais c'est pas grave, on va essayer de remonter. Voilà. Oh, c'est Monsieur Colliard, qui pourtant avait gagné la course tout à l'heure, qui est dans les derniers. Oh, c'était calé sur le côté, les panneaux des 100 mètres et le freinage. Alors, vous aurez compris que le plus grand ennemi, hormis les freinages, c'est vraiment les vibreurs qui nous font glisser d'un coup. Quand on glisse, c'est vraiment très difficile de se reprendre. Hein. Ça, c'est quand même bien fait. Vous voyez, là, je commence à glisser. Si je continue un petit peu, je partais totalement en tête à queue. On tente l'intérieur. L'IA qui n'insiste pas trop. Alors, l'IA est assez intelligente, je trouve, parce que voilà, elle sait qu'on va passer. Donc, des fois, ah ben voilà, je l'ai envoyé en tête à queue. On s'est tous touchés. Mais il y a qui sait s'écarter quand il faut, ne pas non plus insister au foot dehors, ça c'est quand même bien. Disons que l'IA c'est pas le gros problème du jeu, et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ah là là, on s'est touché! Ah là là, avec notre équipe sponsorisée par Menox. Menox, les, je sais pas, les jambes qui respirent. Contrôle à tout. Je suis totalement loupé, mais j'ai réussi à bien prendre la chicane. Alors, il y a 6 tours à faire. On va aller jusqu'au bout, je pense. Ouais, 36 minutes, ça devrait aller. On va voir ce qui se passe à la fin de cette course. Je vais essayer de me concentrer un petit peu, de me la fermer pour une fois. Je fais que parler. Et on va voir si ça me permet de remonter.
Et donc on est 15ème, plus que 2 tours à faire, enfin 3 tours à faire encore. On va voir si c'est faisable de remonter dans le top 10. 5 voitures à rattraper. Oui, des fois on a des coups de fluidité. Puis d'un coup, plus rien, le jeu commence à ramer quand il commence à charger beaucoup de décors, voilà, comme c'est le cas ici. On est à 4 secondes du 15ème. Alors je sais pas aussi s'il y a des avaries, alors je pense que les avaries ont eu des dégâts, mais je sais pas si on peut avoir des avaries moteurs aussi, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que par exemple on peut avoir une casse, je sais pas, de suspension, une casse, je sais pas, d'électronique, est-ce qu'on peut avoir une panne électrique, est-ce qu'on peut avoir le moteur qui prend feu, ça je sais pas du tout. D'ailleurs on voit que mon aileron avant est en jaune maintenant, c'est ça que j'ai un peu trop touché. Par contre visuellement je sais pas. Puisque quand je mets la vue arrière, bah, je vois pas du tout la voiture. On va se mettre en vue comme ça, l'aileron qui bouge, mais ça a tout le temps le cas, peu importe ce qu'on fait. Alors, on a perdu un peu de vitesse, c'est dommage. Le son des voitures extérieures est dégueulasse, hein. Il n'y a aucun son d'ambiance. On est loin quand même de l'excitation que pouvait procurer l'intro du jeu. Ça c'est vraiment, vraiment dommage. Et je galère quand même à le remonter. Oh là là, et le choc énorme. Et finalement, qui n'a pas fait grand chose sur la voiture. Un petit choc ici, Jacques. Oui, il a dû toucher le rail. C'est cool tard. On est obligé de faire les commentaires nous-mêmes. Hein. C'est dommage le spotter, là, il aurait pu donner des infos. Tu es par exemple. Tu es en 14ème position. Le pilote devant toi est à 3 secondes. Tu perds du terrain. Ou alors, accélère, il reste plus qu'un tour. Là non, on a juste, bon ben bonjour, t'as fait le meilleur tour, pas le meilleur tour, il reste un tour à faire, puis c'est tout. Et là, je perds du terrain, encore une fois. Vous avez vu, on a l'impression d'être beaucoup plus haute que la voiture, c'est ce que je vous disais, c'est encore plus visible maintenant. Allez, le cut de la mort. Par contre, les dégagements sont un petit peu trop larges. Ça, c'est pas réaliste. Je sens que cette vidéo va finir au bout de l'ennui. Ah, c'est le profond désespoir que j'ai malheureusement en jouant à ce jeu. C'est qu'il y a un côté qui est réussi et que le reste est ennuyeux à mourir. Et on est à 4 secondes. Allez, il ne restera plus qu'un tour pour essayer de gagner une place. Et puis on s'arrêtera là-dessus. Je pense que 45 minutes de vidéo sera largement suffisant. Ah,
J'ai des équipes qui s'arrêtent au stand. Eh ben non, on est 15e, donc aucune voiture s'est arrêtée. Ah non, le petit... C'est nous, en fait. Bon bah écoutez, tant pis. Et voilà, et du coup, on est en marche arrière. On va voir s'il y a un impact sur la voiture, le fait de ne plus avoir un aileron avant. Effectivement, la voiture ne tourne plus du tout. Et elle tire tout droit. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va faire échappe, on va faire quitter. Puis voilà, mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 sur PlayStation. Franchement, pas un jeu remarquable, mémorable, ce que vous voulez. Franchement, il y a tellement de licences à cette époque, faut pas s'arrêter sur ce jeu. Il y avait quelques arguments, malheureusement, ça s'arrête là. Voilà, il est un petit peu trop juste. Moi, si je devais donner une note, en tout cas, je ne donnerais pas une note exceptionnelle. Je donnerais un petit 11-12 maximum. Voilà, après, c'est pas des jeux qui ont une énorme prétention à la base. Donc, pour un jeu qui n'a pas une énorme prétention, ça va. Mais c'est pas suffisant comparé à tous les autres jeux qui sont sortis au même moment. Quoi. Voilà, ça va pas du tout. Bon, écoutez, on va cesser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une vidéo, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!